Inox. J'ai perdu tous mes rushs d'hier. Mais ouais, j'ai vu, frère. J'ai trop le seum, mon gars. Dans le hammam. Dans le hammam, toi, tu sais, gros. Dans la piscine. Quand Pidi, elle pleure là-bas. Non. Je te jure, j'ai tout perdu. Pourquoi il y avait le micro là déjà? Bah, parce que bah du coup, mon micro, en fait, tu sais quoi? C'est vrai, quand tu m'as balancé de la neige, non, je pense que ça l'a peut-être rendu l'âme. Non. C'est un mal pour un bien. Là, on m'entendait là? Non. Si. Oui, mais en fait, petit à petit, tu vois. En fait, en gros, petit à petit, t'entends un qui s'intègre de plus en plus. Du coup, je pense que petit à petit, il a rendu l'âme. Le micro. Après, c'est pas grave, tu vois. On a perdu la moitié d'une journée. Hein. Oh, bon. Ça casse. Mais il va falloir se rattraper, mon gars. Ah ouais, ça casse les couilles. La vida loca là. La Legria, c'est éclaté ça. Bon, la Legria, il n'y a jamais de problème. C'est vrai qu'il n'y a jamais de problème. Hein. La Legria, gros, elle tombait par terre. C'est vrai. Elle allait dans la neige, il n'y a jamais de problème. J'avoue. Non, mais là, je vais tester en micro et puis on verra. Bah, du coup, yop les petits potes. J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle journée. Les amis, aujourd'hui est un nouveau jour. On va essayer d'oublier les mésaventures d'hier et puis de refaire ce qu'on s'est fait en fait. Les cons. Et de vous amuser et que nous ça nous fasse des souvenirs de fou, tu vois, parce que mine de rien, tu vois, en gros ça nous fait des anecdotes de malade, tu vois, à chaque fois ce qu'on fait, la boule de neige quand je la fais tomber sur Inox et tout, frère, j'ai 30 ans, enfin j'ai 29, je balance une grosse boule de neige sur Inox, tu vois ce que je veux dire, mais en vrai ça fait partie des souvenirs et des anecdotes, et plus tard on va être mort de rire quand on va avoir tout ça. Du coup c'est reparti, les pouces en l'air, les abonnements, les commentaires, let's go. Code créateur Valouz, les gars. Allez, là. Ça perd pas de temps, les chiens. À peine réveillé TikTok. Hey, Valouz, quoi? Hein? Fais un tweet, je vais te montrer un truc. Comment ça, un tweet? Bah, tweet. Faut que tu tweets un truc en mode. Mais j'adore Inox Tag. Et regarde ce que je vais mettre. J'adore Inox Tag. Voilà, tweet. Voilà, à moi maintenant. Regarde ce que je vais répondre. Bon toutou. Non. Si tu vas mettre ça, enfoiré. Tu vas mettre le bon toutou. Non, j'oserais pas. Je crois que ça s'est mis, c'est bon. Attends, c'est bon. T'es vraiment un enculé. Je le savais en plus, hein. Quand j'ai tué, je me suis dit, ah, je me suis fait avoir. Trop bien, en fait. T'es vraiment un gamme, wesh. T'as vraiment tweeté en plus, je t'ai dit tweet, tu l'as fait. Je pensais que t'avais montré un truc de ouf, moi. Attends. Bon, un sans frigo, interro surprise. Ah, je vais faire un TikTok. Ah ouais? M'en bats les couilles. Oh là là, ce beau gosse. Petite séance photo? Bah, petit shooting, ouais, c'est carré. Tu travailles ta nouvelle pépé? Hein? Tu travailles ta nouvelle pépé? Ouais, non mais c'est bon, la nouvelle pépé, je l'ai déjà. Bah, si mère au roi. Et on va mettre un TikTok avec mon son et je vais mettre hashtag bouillon. Pourquoi hashtag brouillon? Mais le son est déjà sur TikTok. Ouais. Mais en fait, hashtag brouillon, comme là, c'est gouré. Elle a pas fait exprès de le mettre en fait. Normalement, tu gardes dans les brouillons les vidéos. Ah. Et tu l'as mis là? Non, je vais le mettre. Ah, tu vas faire genre que t'as pas fait exprès. Elle a pas fait exprès. Ah, mais tu le mets maintenant? Bah, je pense. Ah, comme ça tire. J'ai trop hâte de voir les commentaires. Parce qu'il sort à midi là. Ouais. Quelle heure? En vrai, il sort dans une heure. 10h30. Ouais, en vrai, c'est marrant. Ouais, j'avoue, c'est marrant. Vas-y. Je fais quoi, je le fais? Sachant qu'il est déjà sorti. Gapidi, es-tu stressé? Allez, tout stressé. Attends, je vais mettre hashtag brouillon. Attends. Ah ouais, les gens, ils vont me dire, bah alors. Ouais, mais j'ai peur qu'ils vont pas voir le clip après. Mais bien sûr que si. Bien sûr que si, justement. En plus, mais oui. Bah ouais, c'est... Mais il est où le clip? Il est où? Mais même, il y a des gens, ils vont se dire, j'ai eu le son en avance, je le balance à tous mes potes. Ouais, c'est vrai. Bah ouais. Je le mets. Allez, vas-y, go. Appuie sur le bouclier. Attends, t'as mis ton doigt dans mon kiri, gros. Il a mis... Regarde sa grosse rince de doigt, lui. Il a mis son doigt sans le vouloir dedans. T'en as pas marre de faire la gueule? T'es pas content, t'as pas? Oh, mais les gars, on va faire de l'hélicoptère à faire la gueule. J'avoue quoi, les gars. On va faire de l'hélicoptère, wesh. On va faire de l'hélicoptère, gros. Attends, mais c'est ce que je disais hier, Enox. Hier, on était dans le jacuzzi, on parlait, je fais gros. Demain, on va faire de l'hélicoptère. Tiens, on se rend pas compte là. C'est vrai qu'on se rend pas compte. On se dit, c'est normal, on est en vacances, on fait de l'activité, mais c'est de l'hélicoptère. De l'hélicoptère, frère. Alors les gens, ils savent même pas que c'est Pidi en fait. Les gens, ils savent pas que c'est Pidi. Non, ils savent pas que c'est moi. C'est trop drôle. De jour en jour, il y a moins en moins de neige.
Là, c'est vraiment éclaté pour le coup. Regarde-le. Mec, si tu regardes, mec, si tu regardes comme ça, regarde. Tu regardes ce plan-là, on dirait on n'est pas à la montagne, là, tu vois, regarde. Ouais. Là, on n'est pas à la montagne. Non. Par contre, tu lèves la tête. Bon, par contre, tu lèves la tête, ouais. C'est chiant, il n'y a pas de neige. C'est un Dracolos. Je vais faire une photo tout nu. Hein ? Quoi ? Sur le rocher. Tu vas faire une photo tout nu ? Ouais, je vais me mettre comme ça sur le rocher. À poil ? Et c'est Aurore qui a pris la photo ? Ah ouais, c'est pour ça, je. Dobby, toi, tu m'aimes bien, toi. Dobby, toi, tu m'aimes bien, toi. Vas-y, Dobby, fais le photographe, wesh. Non, mais tu veux être de face. Non, de dos et tout. Il va se tenir la trompette. Moi, si je te prends de face, je te prends de dos. J'aimerais bien que toi, justement. Non, mais justement, vu que moi, je vais être de l'autre côté, j'aimerais bien juste que tu me la tiennes, pas qu'elle touche par terre, tu vois. Hein bon, mais c'est pas grave, au pire du pire, elle cassera le caillou. Ou alors, tu mets ta tête en dessous pour qu'elle tombe dessus. Moi, si tu veux, je te la tiens comme ça. Les gars, c'est pas ce que vous croyez, on rigole. Ah putain. Je regarde en arrière, j'en ai vu de toutes les couleurs. Quand t'as la pression. L'a mis en ligne. Ouais, elle l'a mis en ligne. Wesh. Sur TikTok, ils disent tous les boss, ils ont pas capté. T'es sûr qu'ils ont pas capté? Wesh, t'as mis un TikTok de ton son. C'est une zinzin. Les gars, j'annonce aujourd'hui, j'ai un jour de vlog à rattraper. Je fais tout vlog. Aujourd'hui, je suis reporter, les gars. Je suis clairement un putain de reporter. Un reporter. Là, je te suis. Là, les gars, le micro, ça va, les gars? Bah. Mettez un pouce bleu, ça va. Mettez un pouce bleu si le micro, ça va. Bon, Lucas, aujourd'hui, je te demande un flou de génie. Oui, je veux du flou. Je veux du flou de génie, là, Lucas. Par contre, pour faire la mise au point, faut que tu sois de face. Ah, mais tu vas monter sur le caillou? Attends, là-bas. Bouzy, il y a des abos. Il y a des abos, gros. Mais tu sais pas faire la cour. Mais non, j'ai jamais. Attends, vas-y. 1, 2, 3. Partez, je vais voir mon cul là. Vous fermez les yeux. C'est quoi ça? Wesh. C'est des cacas de lapin. C'est des cacas de quoi ce gros? Wesh, regarde-le. Par contre, c'est vrai que la vision elle est belle. Il dégoûte. Attends, faut pas qu'on voit le caleçon, mais j'ai pas envie de le perdre. Ah, je commence là actuellement. Elle est pas grande. Oh putain. Ah, vas-y, tu dis. Dis-moi si je faudrait me le rendre son caleçon, wesh. Oh putain. Allez, Lucas, floute. Je bouge. Floute. Là, elle est toute petite. Comme ça, attends. Allez, salut Bouzy, on s'en va. Bon, salut Bouzy. Les gars. Tu l'as mis où son caleçon? Dans la mine. Ah ouais? Mais non. Ah mais il a vraiment rangé ton caleçon de toute façon. Il a son short. Ah merde, putain, j'avoue. Eh, reviens sur ton short dans le chalet. Reviens. Tu dégoûtes. Lucas floute, hein. Tu floutes, Lucas. Tasse-toi! Mec, c'est tu fais ton caleçon sur la tête! Ah putain! C'est à qui là-bas? C'est à Bouzy! Ah, et en plus, c'est celui de Bouzy! Ah, je suis mort! Il était à poil sur le caillou, frère! Et du coup, il est rentré comme ça à poil! Ah putain! Tu regardes quoi, gros? Je fais la mini. Ah, de la vidéo dans la neige là? Ouais! T'es là, Ti! Qui sort du coup mercredi 11h15, donc là, elle est sortie depuis hier! C'est une Bouzy ou quoi là? Bah gros, je vais pas les garder là. Hein. Je sais c'est dur, pour moi c'est pareil, pense au futur, pas ce qui s'est passé. Dis-toi que ça va, allez toute l'année. C'est Aurore, elle l'a pas vu. Même si c'est pas vrai. Eh oh. Attends, Valous, on a mis un à poil, on a mis un, je vais mettre le dernier. Ah ouais? Bah ouais, parce qu'il y a 3 teasers. Allez, on tease pas le son nous. Toutes les couleurs. T'es pas tout seul. Attendez les gars, on vient d'apprendre que toi qui veux pas faire d'hélico là. Non. Je vais faire un petit live Twitch, parce que maman, j'ai pas vu mes abos et... Tu vas chill tout seul, toute la journée. Chillax au max, bro. On est dans le sauna, piscine, jacuzzi. Mais qu'est-ce qu'il fait lui derrière? Mais gros, réagis, wesh. Réagis. En fait, t'allais arrêter au bout d'un moment, wesh. Frère, t'es en train de le mouiller alors qu'on part, gros, dans le froid.
Ouais. Bah, en vrai, ça aurait fait pas trop froid. J'avoue. Bon, bah, du coup, Doc. Mais t'es un gamin! Ah, c'est froid! Mais t'es un gamin! C'est froid en plus! Ah, c'est froid! Avant de partir, on a 10 minutes. Allez, ça dégage, ça va dans l'eau. Oh non, bâtard, arrête! Non, non, ça va dans la piscine direct. Allez, dans la piscine, dans la piscine, dans la piscine! Bouzy, on a besoin de toi, mec! Bouzy, on a besoin de toi! Non, arrêtez, ah, si, arrêtez, si, c'est une blague! Ah, si, arrête, 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 arrête! Ah, si, arrête! Bah, il va dans l'eau, il va dans l'eau! Il va dans l'eau, il va dans l'eau! Il va dans l'eau! Arrête ton suite, hein! Non! Enlève ton suite! Enlève ton suite! Enlève ton suite, j'ai dit! Arrête. C'est bizarre là comme scène. Pas suite tes dents. Non, arrête, arrête. C'est le pire truc. Vas-y vous, vas-y. Moi les gars, moi. Le téton, le téton. Allez hop, nickel. Il perd ses pompes en plus. Alors là, c'est parfait ça. Je vous ouvre la porte les amis. Mais non, mais arrête un peu de te dessaper. Ouais. Attends, il va avoir mal, il va avoir mal au dos. Pas avec ce pantalon. Il est en train de se déshabiller au fur et à mesure, gros. Eh vas-y, cours dans l'eau, hein. Arrête. Allez, cours dans l'eau, laisse-moi, viens dans l'eau. Laisse-moi, je fais un plongeon. Non, jetez-le, jetez-le, comme ça. Arrête. Ah. Ah, les bâtards. Michou, il reste 9 minutes. Je pouvais rien faire. Et est-ce que, il y a 2 minutes, top chrono, tu pensais que t'allais dans la piscine? Bah, franchement, non. Moi, je voulais juste rigoler, j'ai juste mis un peu d'eau. On s'en bat les couilles. Vous m'avez niqué le dos. Montre. C'était que ça a fait vraiment mal. Mais oui, mais c'est pour ça que je l'ai vu, je me suis dit mais soulevez-le les gars. Il t'a tiré frère. Il m'a tiré, il y avait la barre à terre. Aïe 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 aïe. Les croutons, vous êtes tous là? Ah non, il manque Doc. Fais la plus grosse bulle possible. Prends toute ta boîte de chewing-gum gros. Prends toute ta boîte de chewing-gum. Attends hein. C'est un délai de... La gueule que t'as quand tu mâches gros, ça me tue. Ballon. Quoi? On est d'accord, Inox il a une tête de rongeur. Quand il mâche, il est comme ça. C'est vrai, on dirait un petit rongeur. Hein. Il est énorme. Le gom gom. Oh, non, Bouzy. Oh, elle est trop bien. Non, elle est pas. Elle va être énorme. Elle est incroyable la photo. Eh oh, eh oh, eh oh, eh oh, eh oh. Ça va aller. Vas-y, une bulle. Oh, ah non, c'est claqué. Mais c'est claqué au sol, claqué. Ah bah allez, allez, allez. Mais je pense qu'il faut le mâcher. Je pense qu'il faut le mâcher. Ok. Et une fois que j'ai bien mâché, c'est un peu fluide. Note que tu ne vois qu'une fois par an. Allez, allez, allez. On fait un groupe. Ah, t'es dégueulasse. Gros, c'est éclaté, gros. J'ai entendu glouc blanc. C'est éclaté. Oh là là, ça y est, mon gars. Oh, mais. Je voulais pas derrière, gros. Tu m'as mis un coup de casque. Alors, Pide. C'est sorti, Lulu. Ça y est. Mais on verra, hein. Je suis trop contente. T'es stressée? Hein? T'es stressée? Non. Non? Menteuse. T'es pas tout seul. Qu'est-ce que t'es beau toi derrière ton écran. Là, t'es peut-être en slip, en calbar sur ton trône là. En commentaire, vous êtes où là actuellement? Peut-être que t'es dans ta chambre. Est-ce que vous êtes dans votre lit? Et peut-être qu'il y a ton daron là qui m'entend et ta daronne. Sachez que vous êtes tous des boss et qu'on vous aime quoi. Un truc que j'adore dans le caca, c'est vos noisettes. Tu vois? Les petits bouts dans le caca qui restent là. Eh viens, on fait un truc mon gars, hein? Que j'ai envie de chier. Mais y'a comment qui a envie de la bouche? Ah mais. Artiste certifié sur Spotify. Hein? C'est la bosse. Mais... La bosse. En 2 secondes. Toi, tu l'as? Ouais. Ah ouais. Allez, là, la certif. Hein. Ça y est, bientôt les concerts. Hein. Bah, en vrai, c'est... Et à force, vrai. En vrai de vrai, à force, la team Crouton pourra faire un concert. Hein. Ouais, j'avoue. Mais j'avoue qu'on peut faire pas mal de musique. Ouais, j'avoue. Mais on peut. Au micro, lui. Mec, maintenant, on peut faire des playlists team Crouton. Bah, ouais, gros. Mais en vrai, là, la team Crouton, moi, j'ai 7 sons. Inox 2, Pidi 1, Bouzy 1, Doc 1. Mec, il y en a au moins 15. Y a j'avoue, l'album. Et en plus, mon prochain arrive bientôt. C'est vrai? Non. Moi, j'en ai un aussi qui va arriver aussi. Sérieux? Ouais. Il va y avoir un son électro. Ta gueule. Sérieux? Redis-moi. Mais tu l'as déjà dit. Ouais. Redis-moi le refrain, comment ça va être? Je vous le fais, les gars. Qu'est-ce que vous en pensez? Voilà. Mais c'est pas une blague. Ponce, 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 pon
bon. Je pourrais être dans le clip. Je pourrais être dans le clip ou pas, vous y. Bien sûr. Les gros sont des. Non, mon prochain clip, c'est de la drill. On va faire un clip vraiment style. Mais attends, mais c'est vrai. T'as fumé un gros. Avec des effets partout, fond vert, tu vois, des trucs hallucinants, quoi. Comme si t'avais pris des champignons hallucinogènes. Mais qu'est-ce que tu racontes? Moi, mais gros, c'est que je vais vraiment le faire. Non, c'est vrai. Il me l'a dit aussi et c'est vraiment vrai. Il vient avec Falcon, il vient après là. On va faire ça. Ça va être incroyable. Et moi, tu me donneras des pinces et je ferai. Non, dès que tu auras fond vert. Et tu tourneras, ta tête la tournera. C'est bizarre, mec. Incroyable. Moi, je monte sur le quad. Moi, je monte là. Il y a une place ici. Monte sur le quad. Non, elle est fille. J'ai dit preuve. Non, honneur aux femmes. Quoi? Non. Ouais, les femmes là. Il y a une place derrière. Mais on va sur l'eau. En vrai, on dirait, on dirait c'est une attraction genre. Là, on va dans la bûche. Je suis pas serein moi d'être derrière parce que moi j'ai pas d'appui d'eau. Oh bordel. On a le pot d'échappement dans la gueule. Wesh mon gars. Let's go. Oh putain, faut que je contacte les abdos moi. C'est trop stylé en vrai. Par contre, ça sent l'essence. Oh, on voit plein de neige dans la gueule, mon gars. Mec, j'avale de la neige. Michou, monte ta gueule. J'avale de la neige, gros. Le cadre est idéal. Regardez-moi ça, les gars. Je me bouffe toute la neige. Regardez le quad, il fait des projections de neige. Ça m'atteint dans la tronche. Ah, ça merde. Je suis vraiment à la pire place. J'ai pris des avalanches de. Mais gros! Bijou, on est d'accord, c'est la pire plage juste derrière le quad. Ouais, mais. J'avais des boules de neige juste comme ça! J'avais noté que j'ai rien dit, hein. Mec, je oh, mais j'avais trop froid! J'en ai rien. J'avais trop froid aux mains! Moi, j'étais tout derrière. Mec, je suis tout trempé, je recevais des boules de neige comme ça. Donc, à un moment, ça a fait. J'étais en mode, ok. Non, là, et le pot d'échappement? Ouais, ah oh, ouais. Oh, Bouzy! On est d'accord, Timmy, ici c'est pas le bon plan ici. C'est pas le bon plan, les gars. Oh, ça glisse à mort. J'avance comme un papy, frère. Vas-y, gros. Oh, t'as pas réussi à frapper, toi? Mais quel con, c'était sûr en plus. Comment t'es tombé, frère? Tu t'es senti trop con à vous. Je croyais que c'était un crouton, mais en fait, mais non, je connais pas. Bah oui. En plus, il m'a un peu jugé. Tu veux faire quoi? Je vais pousser Piggy. Non. S'il te plaît. Là? Oui. Mais t'es un malade, toi. Je vais faire une glissade. Ici. Non, gros, arrête. Ah, mais elle a des chaussures. Elle a maîtrisé. Genre, tu fais ça à Bouzy ou à moi, gros, nous, on se casse la gueule. Mais lui, il court, il s'en bat les couilles, hein. Vous avancez trop vite, les gars. J'ai pas de chaussures de neige. J'ai des genoux en carton et je suis en easy. Faut faire. Oh. il est trop con, ouais. Mais par contre, ils avancent. Je glisse, trop. Regarde. Mais ça glisse trop, frère. C'est du toboggan, j'avoue. Bah, c'est trop bien. T'as perdu ton téléphone, gros. Oh, Lucas. Oh, Lucas. Oh, là, 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 là. Miam, 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 miam. Bonjour. Oh, miam, 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 miam. Un poulet aux écrevisses. Ah ouais. En pleine montagne. Et comment ça sent le feu de bois, j'aime trop. Oh, j'adore cette odeur. Oh, le saumon, j'ai pas vu. Est-ce qu'on peut dire que c'est la vie de rêve, mon grand? La vie d'Aloca, mon gars. Regardez-moi ça. La vie de rêve. Petit feu de bois. Hey, Nox. La vie de rêve. La vie de rêve. La vie de rêve. La vie de rêve, mon grand. Le saumon, il donne envie. Hein. Le saumon, je vais le péter. Proba, tu prends des oignons. Attends, ouf. Proba, ouais. Je dégoûte rien. Mec, tu prends des oignons, regarde le cadre, frère. Oh, moi, c'est pomme de terre. Proba, tu prends des oignons. Proba, sans. Ok. 1, 2, 3, 4, 99. Non. Oh là, t'es obligé. Non. Oh là, t'es obligé. Attends, attends. Mais non, mais non. Mais... Il a fake. Les gars, vous avez préparé ça pour la caméra, c'est pas possible. What the mec, en vrai, c'est une proba 100 du coup. Mec, 99. T'as envie de le dire. Mais en plus, mec, t'es obligé. Je voulais même pas dire 99. Mec, t'es obligé. Mec, t'es obligé. Bah, j'en goûte rien, mais je vais pas aimer. Tu t'en manges. T'en manges, t'en manges. J'en goûte rien. Mec, t'as perdu une proba 100, wesh. Les gars, il a de la chance. Il a de la chance. Dans les oignons, il y a du quoi. Il y a du halouf. Il y a du halouf. T'as de la chance. Pomme de terre, saumon. T'as de la chance, petit gamin. T'as proba 100. Mec, incroyable, c'est la première fois que je vois une proba 100. Le jus de pomme, il est insane. Il est insane, qu'est-ce qu'il y a? C'est dans son verre, wesh. Hein? Wesh. Tu branles quoi, gros? Rien. Rien. Attends, mais... Attends. Mais gros, je te jure, il a poussé. Quoi, il va faire un prank? Oh, Proba,
Inox. Ah mais t'aimes vraiment chocolat, le caca noisette toi. Mais non, il y avait un mec derrière qui m'en a donné un jus de pomme. Mec, c'est pas un jus de pomme là. C'est un jus de pisse. Est-ce qu'il est gentil? Le petit, il a froid, prête-lui ta veste. Prête-lui ta froid. Avec plaisir. Fais un ta veste. Mets-toi bien. Oh là là. Et tu lui donnes en plus? Je te la donne. On va pas abuser. Ouloulou. Finiment. Ouloulou. Ouloulou. C'est quoi comme fromage? C'est du comté. Du comté. Derrière. Au blochon. Oh la charcuterie, oh là 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 là, mon gars. Ça mec, mais celui-là il a l'air incroyable. Inox, il fallait que tu bouffes de l'oignon. Ah, au moins un croc frère. Au moins un croc. Mais ça c'est pas bon comme ça. Bah ouais, bah gros, c'est bon, au moins un croc. Va pas me dire qu'il est bon. Non mais un croc, juste il croque dedans. Mais il croque dedans frère. Mec là ça sert à rien. Change dans sa gueule. Croque dedans au moins. J'ai fait quoi hier soir? On peut en prendre du reblochon? Ah ouais. Oh là là. Oh! Ouais, mais après, faut bien le chauffer. Ouais, on l'a mis au four, ouais. D'accord. Théma, ce sandwich de qualité. Ça, c'est un vrai sandwich. Allez, le fromage, il est trop bon. Il est reblochon. Vous avez tapé dedans alors? Le reblochon, il est incroyable. Avouez, quand on mange comme ça, on est obligé d'avoir le sourire. Ouais. Le comté, il est insane, gros. Reblochon meilleur que Nichon. Hein? Il est incroyable le comté. Pide, bien goûté le comté, tu as kiffé. Si, tu te régales, hein. Comme les écureuils, j'en fous plein mes joues. Tu me dis quoi? T'as les joues. Mon petit loulou. C'est qui? Avec le bout, qu'est-ce que tu fais là? Je lui caresse le bout. Mais je lui caresse le bout. Attends, mais c'est. Mais ils lui ont mis un masque, j'avais un peu. On dirait vraiment Dobby. Hein. On dirait Dobby? Enlève lui le masque. Je m'attendais le pas même, à ça. Le même sourire. Je m'attendais pas à ça. Oui, c'est juste. Ouais. On va voir. Tu veux faire quoi? J'ai perdu mon rond. Je voulais essayer de rôter et d'éteindre la bougie avec mon rond. Merde, j'ai mis le cap dessus. Dans le... J'ai dit, oh, la flamme, elle est où? Ah bah, s'il y a un coca là, j'éteins la bougie là. Ah, mais toi, tu sais pas rôter, c'est vrai. Tu sais le faire? Je sais pas, c'est vrai. Bah, vas-y, bah, rôte, éteins la bougie. Non. J'ai pas envie d'essayer. Vas-y. Ah, tu me démontes. C'est nous, je Oh, il était trop bien celui-là. En vrai, je pense que du coup, c'est impossible. Impossible. T'as vu le coup qu'il a fait? Mais moi, Daniel, si vous roquez, vous prenez feu. Ah ouais. Oh, bah alors. Mais comment vous faites? Faut avaler son air. Oh! J'ai un gros tricheur! T'es une triche! Qu'est ça? T'es le boss! T'es le boss, mon gars, t'es le boss! C'est quand je te prends un FIFA là? Banks! Oh! Le son, c'est une masterclass! Banks! Ouais, de ouf, merci beaucoup! Gros bisous, frérot! Mais ouais, parce que Kikessa, les gars, c'est lui qui a des piliers avec vous. C'est l'auteur de la musique, il m'a joué. Je le connais pas, Je rentre là-bas, ce qu'il me dit. Ah bah tiens, on parlait de toi, Pidi, elle disait que de la merde sur toi et tout, genre apparemment ça, il me sort des trucs et tout, genre c'est mon meilleur ami. C'était faux, tu vois. C'est mon meilleur pote. Il fait, vas-y, installe-toi frérot, ouais. Tu veux quoi, café, petit pain? Oh, allez. FIFA, ouais. Chanter, je faisais FIFA. Ah ouais, trop bien. Ouais. Le boss. Ça commence déjà bien, hein. Il est trop marrant, putain. Ah bon, Pidi, elle fait la moula. Je suis un peu de moula, moi. Attends, quoi? Ouais. Ouais. Ouh, regarde ça. Oh mon gars. On a un coup de blanc. En pleine montagne. Ouais, why not, hein. Ouais, j'en veux bien, moi. Oh lolo, ça donne envie. Hein. T'es bien là. Pain. C'est pas encore chaud là. Si, tu peux y aller. Ah ouais, je peux. Alors, un petit arbre à fromage. C'est un arbre à fromage. Comme à la cantine. Hop, merci beaucoup. C'est quoi dedans? Ça, mon gars, ça c'est une refondue, hein. C'est vacherin suisse et. Oh. Non mais je rêve. Oh. Ma parole. C'est bon. Oh bordel de merde. J'ai pas encore goûté, c'est bon. Ah ouais. Oh là, ça sent très fort déjà. Oh. Non mais là c'est plus une fondue là, c'est une fondue savoyarde. J'ai une bière en vrai un peu. Oh. C'est pas pareil du tout, hein. Ouais. T'as pas le même goût, mon gars. Fais gaffe. Oh. Ah ouais, ouais, ah ouais. Attends un peu, hein. Regarde sa veste. C'est macha luxe, hein. Ah bah la vérité, Inox. Vas-y, on s'en fout. T'as jamais goûté une fondue savoyarde? Je pense que le goût est trop fort, tu vois pas si. T'as le goût de vin un peu? Ouais, le vin blanc, tu le sens. C'est fort, tu vois. Oh. Ouais. Oh, ça tu bois ça, tu finis, t'es dépendant ou pas? Bourré, ouais, non, mais non. T'aimes pas Inox? Ouais, c'est fort. Bah, tu vois. Je connais Inox. Ouais, je suis un peu. C'est fort, l'Arzis. On vit vraiment un moment incroyable. Là, c'est. Chaque jour qu'on passe avec vous, ils sont incroyables. En vrai,
Là, les gars, les vacances dans les Alpes, ils sont quand même. Ouais, golden. Hein. C'est trop bien en vrai. Ils sont insane. Hein. En vrai, comme quoi, eh, tu peux aller en France pour trouver du bonheur. Bah, carrément. Que c'est Dobby qui a tout organisé. Bravo. Et merci le Dobzer. Je voudrais une innovation pour cet homme. Une innovation. Innovation. Qui est le plus beau et le plus fort des croutons. Applaudissements, s'il vous plaît. Ouais. Je pense pas un seul mot de ce qu'il a dit. Bien sûr, ça venait du cœur, gros. Ah ouais, il a abandonné la fondue pour ça. Les frérots, putain. Dobby va pleurer là. Bon, par contre, place aux bonnes choses. Hein. Vous avez préparé du bœuf ? Il y a vraiment du bœuf ? Oh, attention, mon gars. Oh, de la picanha ! C'est le dessus. Et ça, c'est tomahawk. Oh, tomahawk. Ça, c'est de la roi. Ça, tu oh là là. Attends, mais c'est incroyable. Ça va être cuit là-dedans ? On le cuit à la pierre. Dans le four à pain. Là, moi je vais plus aller là. Ça. En fait, la truite. Ça, c'est de la dégoût. Non. Tu manges d'abord la truite et après tu mangeras de la viande. Comme à l'école. J'y crois moyen ça. Attends, avant il y aura des brocolis. Ah bon. J'y crois moyen ça. Des choux Bruxelles. J'y crois moyen. Je mange pas de légumes. On l'avait demandé notre barbecue, il est là en fait. Ah bah ouais, j'avoue. Et voilà ma gueule. Mange quoi, Inox là ? La truite. Oh ! En avoir, please. Celle-là, elle me faisait de l'œil. Merci. On va goûter ça immédiatement, les gars. Oh, c'est une dinguerie. Ah si, t'es obligé de goûter. C'est une dinguerie, mon gars. C'est le meilleur que j'ai mangé. Franchement, il est bon. Oh, oh, mes yeux. Oh. Ça picote, hein, mon gars. Oui, oui. T'as pris ton petit boudin ? Un petit boudin, ouais. Petit boudin blanc. Je crois que j'ai les yeux défoncés, là. Mec, mais attends, mais regarde ce qu'on mange, gros. Mec, tu sais que la truite, elle a l'air vraiment incroyable. Mec, regarde, on mange, mais regarde en face de toi. C'est vrai qu'il dit comme ça. Le poulet, il m'a l'air incroyable. Mmh. Non, mais la truite, c'est trop. Oh, bordel. Pouloulou. Mec, j'ai trop hâte. Frère, c'est un vlog ou une vidéo de dégustation, là ? Dégustation. Hey, Lucas, je vais te dire un truc, mon gars. Je pense que la vidéo d'aujourd'hui, elle va être longue. Ah. Elle va être très longue. Ah, mais j'ai demain pour la monter. Ouais. Je vais pas la monter la nuit. Là, mon gars. On va rattraper la journée d'aujourd'hui. Là, on est sur du 1h. Ah ouais. Et on a trop de mort. Ouais. Hier, j'avais trop le seum. J'avais trop le seum aussi, hein, les gars. Par la bouche pleine, désolé. Oh, t'inquiète, hein, ils sont habitués. Hein. Alors, la viande ? Gros, je l'ai éclaté. Gros, j'ai éclaté ma viande. J'avoue, moi, je vais peut-être en prendre, ouais. Merci beaucoup. Oh, mon gâté. Ça, c'est de la viande comme mon gâté. Moi, je le bouffe, mais comme un carnivore, mon gars. À la main. Alors ? Mmh. Tu sais que j'ai pas mangé de viande comme ça là depuis le Kobe qu'on a fait. Hein. Mmh. Ça m'a dégoûté le Kobe. Là. Inox, la classique. Tu l'as atomisé. Oh, servez-moi en fait. Tu veux sauter là-dedans ? Ouais. Les pieds joints ? Pieds joints. Imagine, tu vas trop loin. Mais c'est impossible. t'es coincé dans la neige, j'avoue. Imagine, t'es trop loin. Je le dis tout de suite. Enfin, s'il y a un problème, on y va tous les deux. S'il y a un problème, on y va tous les deux. S'il y a un problème, on y va tous les deux. Attends, je la fais c'est vrai ? Ouais. Qu'est-ce qu'on te fait faire, Mais t'as pas peur. Attends, mais ça fait peur là. T'as pas peur toi ? T'es prêt ou pas ? Mais après, ça a l'air d'être un gros mont quand même. Hein. Imagine, c'est archi. Là, je saute là. T'es prêt ? Pieds joints. Qu'est-ce que t'es en train de faire ? Un dernier mot avant ? Oh. Je me suis pété les genoux. Je me suis claqué les genoux. Aïe. En fait, il y a zéro trou. Mais en fait, c'est tout dur. C'est tout dur. Mais ça m'a surpris. Ça m'a claqué les genoux. Il s'est démolé, ouais. Je regarde le trou qu'il a fait là-bas. Je pense qu'il fallait que tu essayes plus loin. Retourne-y. Non, mais non. Non, c'est bon. Non, mais là, mes genoux, ils sont fragilisés. Non, là, ils sont fragilisés. Non, là, c'est bon. Qu'est-ce qu'ils font encore, eux, là-bas ? Attends, mais il a fait un igloo, je rêve, là. Vous faites quoi, les gars ? Attendez, mais t'as fait un igloo. Mais qui c'est qui l'a fait, là ? Ah, c'est eux, je crois, ils l'ont fait. Genre, tu peux être dedans là ? Ouais. Ta gueule. Mais genre, quand tu vas dedans, tu. Genre, il fait un peu plus chaud ? Ça fait peur. Pourquoi ? Bah. Mais regarde, mets la cam en bas. C'est ultra serré en fait. Ah ouais ! En vrai, le chalet, on est d'accord pour dire que c'est trop stylé là en plein milieu. Ouais, c'est trop mignon. Hein. T'as des glingues, frère. Isolé, hein. Ouais, c'est par contre pour y aller. T'as la luge ? T'as la luge ? Il va la faire chanter. Attends, je rêve où Dobby, t'as failli te croûter la gueule là. Mais tu vas kiffer l'hélico. On va passer au Mont Blanc, mec. Ouais. On va passer au-dessus du Mont Blanc ? Ouais, au-dessus, ouais. 4804 mètres. On va passer autour, je crois. 1800. Autour. Sur le Mont Blanc, les gars. Son rêve, vous dites, gros, c'est qu'en fait, on passe en hélico, on ouvre la fenêtre et il fait.
que je touche le sommet. Je l'ai touché, je touche le sommet. Il me dépose au sommet et je remonte. Et je redescends. Ouais, le Mont Blanc, je l'ai fait ouais, en 2021, putain. Franchement, ouais, c'était dur. Doigt. Un doigt. Un doigt. Les gars, ils sont tout là-bas. La descente. Mais en vrai, ils se rendent pas compte. Hein. Vas-y, les gars. Mais où ils vont, là? Mais attends, mais par contre, la descente, elle est interminable par là-bas. On vous voit plus, les gars. Regarde. Ouais, bousy. Oh là là, fondant au chocolat. Mec, fondant au chocolat. Marshmallow. Oh, je te jure, j'attends personne, mon bail couille. Le mien, il prend feu, wesh. Il prend feu. Je te jure, d'après, il fait mon gars. Attention. Bah ouais, il y a deux trucs. Carré. On va lui attendre un peu plus. Vas-y, bouffe-le. Il faut le faire griller un tout petit peu. Et il faut juste le goût du. Faut pas qu'il soit tout brûlé. Sinon, c'est pas bien. Vas-y, souffle. Gros, le tien. En vrai, même le carbo, je le graille. Je crois que je vais faire ça. Hein. Ouais, là, mon jeu, c'est bon, caramélisé. Mmh. Celui-là, je vais essayer de le cuire parfait. Mmh. C'est quoi? C'est de l'alcool? C'est de l'alcool de plante. D'ici? Ah, mais c'est de l'alcool. Vas-y, on goûte. Non. Un petit shooter. Non. On est obligé de goûter, frère. Mais t'es malade. Inox, après, ouais, tu goûtes avec moi le truc? Bah, c'est des plantes, frère. Vas-y, on va goûter, frère. J'ai trop envie de voir ta gueule. Viens. Eh, hey, gros, on boit le truc et poker face. Tu dois pas vas-y, faire d'expression de visage. Ah, mais là, on fait cul sec. Ouais. Vas-y. Mais non, pas trop, hein. Ouais, léger. Ça, c'est de la vraie plante, mon gars. C'est de l'alcool? C'est l'eau de vie d'ici. C'est du génépi. Ça me tease plante, ou pas en fait. Ça te soigne. Vas-y, moi, je vais goûter aussi. Que ça me tease, ça. Non, ouais, bon. Bah, mec, cette quantité-là, non. C'est combien de pourcentage, ça? Non, dis pas, dis après. 9h moins le quart, 9h moins 5. Vas-y, poker face, frère. T'es prêt? 1, 2, 3. Regardez-moi. Regardez la cave, regardez la cave. Oh, oh, oh! Je crois qu'Inox a perdu. Ça va, gros? Ah, c'est dégueulasse. Ça va, gros? Ça marche. Tu sais ce que c'est? Ça va, Inox? Non, mais ah, ça me dégue! C'est horrible! Ah ouais? Tu sais ce que c'est chaud. Mais c'est quoi? C'est parce que du coup ça a combien? C'est pas bon ou c'est ultra fort? Non, c'est pas fort. C'est pour soigner. En fait, c'est ce qu'on utilise pour soigner les chevaux. Nico, ça pour soigner les chevaux. Les aftes des chevaux. Ça c'est acide. Ouais. Comme ça coûte mais pas c'est cher. Mais c'est pas fort en fait. C'est juste que ça a un goût bizarre. Ah ouais, c'est fort. T'as pas entendu ce qu'il a dit? What? Mais gros. Oh. Oh, ça me dégue. C'est pour soigner les aftes des chevaux. Comme ça coûte pas cher, on donne ça au blaireau. Il a vomi. Vous êtes en train de me considérer comme un blaireau? C'est une douce. Oh putain. Eh, ça décoiffe, hein. Qu'est-ce qu'il y a? Non, non, mais fume pas, fume pas. Regarde le paquet. Regarde le paquet. Carte, pas droit de la mettre, l'enlever en montage. Je déploie la carte. Ah non, non, là on le met. Non, mais tu mets pas, tu mets si on pas. Le met. Les gens après ils vont la mettre. Et alors? Oh, oh mon gars, on va faire ça. On va faire de l'hélico, ma gueule. Regarde où il va se poser. Ouais, je regarde comment il est. Mais attends, mais faut pas avoir peur en vrai. Mais attends, mais ça fait pas. Mais ouais, les hélices elles vont pas vite. Les hélices ça tombe pas dans la scène. Mais attends, mais c'est incroyable. Eh, il a un flow là. C'est incroyable. Quel bail, mon gars. Hey, hey. Uber hélico, mon gars. Eh, hey, gros, il a fait une arrivée. Uber copter. Une arrivée, c'était digne d'un animé, gros. Waouh, le boss, hein. Oh là là, les photos. Oh, les photos. Oh, les photos. Regardez-moi cette resta, quoi. Ce serait pas la nouvelle pépé Instagram. Quel crack. Oh là là. Mais maintenant c'est Valouze. Il s'y met au shooting photo, Valouze. Vas-y, prends la pose, Val. Regardez-moi ça, les bad boys. On n'est pas posé sur un hélico. Mec, j'avoue que en vrai, c'est improbable. Hein. T'es vraiment posé sur l'hélico là. Mon dos qui est posé sur un hélico. Mec, en mode c'est à toi, c'est ton hélico. N'empêche, Aurore photographe dans toutes les conditions, les gars. Elle nous aura suivis avec son appareil photo sur la luge, dans un hélicoptère. Et le quad au Maroc, etc., etc. Elle a tout fait. Bon, les gars, du coup, il y a deux groupes. Il y a le groupe là, et le second groupe, c'est nous, quoi. Le groupe des BG, j'ai envie de dire en fait. Mais on est bien, nous, en fait. On est, en vrai, on est bien. Hein. Franchement, regarde, on va être comme ça, trop. On est bien, là, Ziz. Mais non.
Je conduis ma gueule. T'es là, ti. Ah ouais. C'est confortable? Mais en vrai, de ouf, hein. Ah ouais, elles sont là. Allez, là, la star, hein. Attachez votre ceinture, les enfants. Vous êtes stressé un peu? J'entends rien, non. Tu m'entends pas, là? Enlevez le casque 2 minutes. Allez-y. Vous avez jamais volé, du coup, hein? Jamais. C'est Dobby devant? Je pense que je vais aller devant, moi. Je pense que je vais aller devant. Non, en gros, on va derrière pour faire des conneries, gros. Ouais. Sinon, je vais pas voir ta tête, gros. Mais devant, c'est incroyable quand même. Hein. Devant, c'est vraiment incroyable. Les gars, pour celui qui va devant, Deli Delo. Ah là, Deli Delo. Tricheur, gros, y'a pas le milieu, frère. Bien sûr que si, y'a le milieu. Bah non, à 3. À 3, c'est en haut ou en bas, frère. Mais t'es un gros mytho, y'a milieu à la Deli Delo. Justement, on est 3. Milieu, en haut, en bas. Bah mais non. Vas-y, bah ça veut dire si. Mais s'il met en bas et au milieu et en haut, gros, ça sert à rien. Allez. Et pourquoi, frère? Mais vous êtes des tricheurs. Mais non, c'est en haut et en bas. À la Deli Delo. J'ai gagné. Dans tous les cas, c'était le destin qui le voulait. Vas-y, va pas te voir. Ah, je sais, mon vrai. Eh, vous avez trop le seum. Mais gros, t'as voulu me la faire. T'es un chien. T'es vraiment un chien. Dans le zizi, tiens. Allez, bisous. C'est ciao. T'as peur, toi? Un peu, quand même. Je suis un peu heureux, moi. Hein. Je l'ai jamais caché. Un de ces trucs, quand même. J'ai jamais vu des échos aussi proches. C'est un flow, hein. C'est un flow, mon gars. Oh, le vent de malade. Ouais, j'ai pris de la neige dans la gueule, ça me fouettait. Ça m'a... Hey, j'ai volé, frère. Les hélices, elles tournent. Les hélices, elles tournent. Les hélices, elles tournent vite. Oh là là là. Ça va, Dobby? T'es bien? On s'entend, hein? Oh, oh. On s'entend. On s'entend, ça y est. Allô, allô. Oui. Alpha, Alpha, oui. Alpha, ça va bien. Elle a peur. Elle flippe. Elle a trop peur. On est à l'allée où il se voit. Je crois qu'il nous entend en caméra. Oh. On n'entend rien à la cam. Ah, oh, j'avoue. Mec. Oh. Allô. On n'entend plus rien. Si, je t'entends quand même. Ouais, je l'ai BG. J'ai envie de péter. C'est le bordel. Quoi? Ça va décoller, ça va décoller. C'est le départ. Oh. Regardez-la comme elle flippe. J'ai trop hâte. Ah, on regardez leurs cheveux, ils vont s'envoler, hein. Regarde. Oh, oh. Mais ça fait du vent de route, là, non? Regarde, on s'envole. C'est un truc de ouf. Ça va trop vite. La vue. Oh, la vue, là. Vas-y, mets ta main, mets ta main. Les gars, on vient de terminer notre petit tour d'hélicoptère. Là, le pilote, il est parti pour chercher du coup le deuxième groupe. Pendant ce temps, dans le deuxième groupe. C'est notre tour. C'est notre tour, les gars. Je suis assis dans un hélico, mon gars. Quand je regarde comme ça, j'ai l'impression juste je suis dans une voiture, en fait, tu vois. Oh, on n'entend rien avec le casque. Avec le casque, on n'entend rien, gros. Bonsoir, bonsoir. Est-ce que vous m'entendez bien? Ici le capitaine de bord. Ça, j'aurais trop kiffé récupérer le vocal. Pour le mettre sur le vlog, en mode on parle comme des... comme des pilotes. Le stress monte ou pas, les gars, non? Tu vois bien? En vrai, non. Bah, j'ai l'impression que je suis sur une voiture. Inox, tu nous ramènes à bon port, hein. Ici votre commande. Eh, pas de dinguerie avec le capitaine, mon gars, hein. Gros, ça va être incroyable. Ça va être un truc de malade, gros. Toi, tous les soirs, tu fais des zizicoptères, non? T'es bien renseigné, toi, alors, ziz. On commence à tourner. Oh, putain. Vous êtes prêts, les gars? On est prêts, voilà. Mon gars. Voilà. On va voir le Mont Blanc, mon gars. On va voir le Mont Blanc. Attention, décollage dans quelques instants. Ça va, mon gars? Attends. Ça va, mon gars? T'es... Oh. 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 Bonsoir. Bonsoir, mesdames et messieurs. J'espère que vous allez bien ce soir. Préparez-vous, les gars. On s'entend dans notre casque, en fait, les gars. Oh le oh. Oh, quel bail. C'est un bruit de bois. Oh le bail. Ça fait des sensations, mon gars. Oh, les sensations que ça fait.
Salut les gars, ça va ou quoi? Oh, le soleil. Par contre, j'avoue, c'est incroyable les gars. Je répète, c'est incroyable. C'est incroyable. Inox, on l'a atteint. Ah ouais. C'est un truc de malade. Allez les gars. C'était trop stylé. Une des meilleures expériences de ma vie. Eh, c'était lourd hein. Mec, c'était incroyable. C'est insane. Ouais, même t'as kiffé gros. Incroyable. Il descendait, il remontait, il tournait. Ça fait de la sensation hein. Oh bah merci beaucoup hein, pour cette expérience. Pilote d'hélicoptère, meilleur métier de la planète Terre. Gros, imagine tu fais ça tous les jours gros. Mec, je vais être pilote, c'est bon. Je vais être pilote, c'est bon. Moi j'ai failli verser ma petite larme. Encore? Bah parce que c'est le moment de mon son et j'ai l'opportunité de faire du putain d'hélicoptère. Non mais tu te rends pas compte. C'est incroyable. Donc là on va faire de la luge, mais pas en 15 minutes. Hein? Mais c'est quoi cette luge frère? Mais comme ça, comme ça, et voilà. Comment tu freines? Avec tes pieds. Avec tes pieds. Avec tes pieds gros, ça va être la galère. Bah les gars, on est parti pour faire une vingtaine de minutes de descente en luge. Sur ça frère. Le problème c'est que j'ai pas pris ma GoPro et il faut les deux mains. Parce que faut tenir le. Faut manier le manche. Du coup bah voilà, si je suis tombé, je sortirai ma caméra. Sinon on se retrouve après. Oh la couche énorme. Ah mais attends, mais il est démonté du coup le bazar là. C'est le truc de restaurant. Wesh. J'adore quand tu me mets comme ça, un peu plus profond. Hein? Tu filmes pas là, de toute façon. Non? Regarde lui. Ah. Attends, je vais tomber dessus, gros. Oh, oh. Ouais, ça fait badé, gros. C'est trop dur, Fédé. En fait, faut vraiment que les jambes genre... Hein? C'est dangereux! Ouais! Bon bah je range ma cam! Les gars, Y'a Bouzy, il est tombé de là où y'a Domi jusque là-bas sur le dos! Oh Mich, il trace! Ah ouais! Incroyable! Eh, vous le maîtrisez bien là! Hein. C'est incroyable! Eh, si ça se Ça va, Po? Donc j'ai fait une vraie chute! Moi aussi! Mec, ma luge elle s'est mise comme ça! Et j'ai volé en avant! Mais non! J'ai roulé par terre! T'as vu comment j'ai glissé moi sur au moins 20 mètres là, sur ma luge! Mec, ça glisse vraiment trop par contre! Hein. Ouais, sale, ça glisse trop! Mais tu sais que c'est trop bien! C'est de la glace! Mais bon, en 5 secondes, tu vas à 50 km je crois! Y'a Pili qui arrive là! Elle va tomber! Oh non! Freine, Pili! Freine! C'est utilisé ça! C'est dangereux quand même! Ouais, mais ça va! Hein. En vrai, c'est moins dangereux que le ski parce que t'es plus collé au sol. Bon, bah les gars, au final, c'était validé. Eh, c'était trop bien! Hein. Franchement, c'était en fait, validé. Ça se maîtrise bien, une durée. Ouais, les deux premières minutes, t'es stressé parce que tu comprends pas, ça fait peur. Et après, gros, quand tu maîtrises. Ouais, franchement, c'était. Ça va tranquille? Ah ouais? Quand tu comprends, ouais. T'as eu peur. Au début, j'avais peur, vraiment, je suis honnête, j'avais peur. Mais au final, quand tu comprends la mécanique. Les sensations que t'as avec. Ouais, quand tu comprends la mécanique, c'est stylé. Tendance. Je suis top 1 tendance, moi! Valouze, top 1 tendance, Pidi, top 3 tendance, oh et moi là. Top 4. Oh! Oh Bouzy TV, top 6. Et top 7, Valouze, 2.0. Oh on n'a pas cassé les tendances, nous! On devait le faire, les gars, on l'a fait, quoi. Ça recommence. Tard l'époque. Allez, les gars, on rentre au chalet. Brrr. Attends, mais gros. Mais c'est des faux. Mais attends, mais. Wesh, les croutons, j'ai vu que vous preniez l'hélico, vous pouvez m'envoyer une petite vidéo sur mon Instagram. Vas-y, je vais lui faire la vidéo. Ça passe au film classique. Oh, oh bâtard, il a mis une capote. Oh, ça pue sa mère, gros. Oh. Imagine c'est Léa, elle m'envoie une capote. Cher Inoxtag, je t'ai aimé depuis le premier jour où mes yeux ont su... voir ton visage tout doux, gravé dans mon cœur. Ah mais c'est quoi cette connerie? Tu es le soleil, ça, elle pue sa mère gros. C'est le pire parfum du monde. Oh il est éclaté. Je ne sais pas si c'est le grand amour. Pour la vie. Celle qui t'aime. Elle m'a mis des capes. Ah non mais frérot là c'est en... Non mais elles sont roulibles là. Quoi? Quand on est triste. Attends, y'a un mec qui est rentré. Les Team Croutons.
Quand on écrit son regard de inox, c'est très beau, gros boule sexy. Quoi? Venus, très beau, ouvre un restaurant. Oh. Mais il se passe quoi? Ah, j'ai cru que j'allais arracher les têtes, gros. Pourquoi? Je suis devenu fou, j'ai brillé. Il se passe quoi? Gros, je me détends, sauna. Je te raconte. Le retour des anecdotes de Doc. Passe-toi, je te raconte. Mais ça, c'est grave. Gros, un film de boule. J'ai jamais vu ça de ma vie, un manque de respect comme ça. J'ai cru que j'allais péter des bouches, gros. Je me détends, sauna, maman. C'est pas tranquille, chill. Je finis mon live, allez les gars, détends, on y va, tu vois. Je vais dans le jacuzzi. J'ai les petits jacuzzi, ah ouais, putain, tranquille, au calme, solo, bien. Je vois deux gosses qui arrivent là, deux petits minots, genre 7-8 ans, tu vois. Enfin bref, je leur dis, ouais les gars, genre je fais juste un signe, je suis en mode dégager, tu vois. Ils repartent, tu vois, ok, pas de problème, genre c'est pas grave. Je tourne la tête de l'autre côté, petit muret là, quoi. Un gamin, 15 ans, son téléphone comme ça. En train de te filmer? Je sors du jacuzzi et il repart. En fait, il a vu, je l'ai vu. Du coup, il s'en va. Oh, je sors du jacuzzi, je me mets derrière le mur, je mets mon peignoir, tu sais, j'attends. Je vois son homme qui repart, gros. J'y vais, tu fais quoi là? Je fais, viens ici, toi, viens ici. Puis là, en mode, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Je fais, donne-moi ton téléphone. Je mets ton téléphone tout de suite. Je fais, tu me le donnes, gros. Je dis, non. Je fais, tu me le donnes, gros, tout de suite. Je supprime les photos, je supprime tout. Du coup, je reste à côté, je regarde, il supprime tout et tout. Là, je vois quoi? Un grand con, gros, 25-30 ans. À l'autre porte, juste à côté de tout le monde, le psychiatre, à la porte, gros. Entre à ton semi, on regarde. Je fais, toi, tu fais quoi? Mais il y avait des mecs partout, gros. Je lève la tête, à la barrière, là, 15 pélos, un zoo. T'es tout ce là je, à un moment, j'avais des cacahuètes, gros. Les autoires, et des darons, gros. Du coup, je leur dis, je dis, vous avez un affaire là, c'est une propriété privée. Et je dis, vous, là, les darons, là, qui sont là avec vos gosses, je dis, c'est votre taf de faire ça. Je dis, vous avez pas à les emmener ici, le daron, il fait quoi? Ouais, il tourne le dos comme s'il m'écoutait pas, tu sais. Je dis, mais c'est un ouf, j'appelle les gendarmes, je dis, ouais, il y a des mondiales du monde devant, venez. Point. Terminé. Tonton Doc énervé. Mais c'est des ouf, gros. Il y a de la chance que j'étais en peignoir, j'avais mes pompes et tout, je sortais, je cassais des bouches. C'est des malades mentales. Le mec, il rentre là avec son téléphone, gros. Je suis un singe. J'avoue, c'est chaud. En plus, t'es solo. T'as vu comment j'avoue. Il est énervé. Tu devais pas être serein. Oui, il y a un gendarme. Ah bah tiens, il y a des gendarmes, j'avoue. Il y a les flics, gros, il y a les flics. Mais je vais pas filmer. Ça part en couille, mon gars. Mais t'as vu le nombre de lettres, rien, il y a des cadeaux de partout, frère. Ils ont offert une capote. Ça, c'est pour Inox. Inox. Une capote magnifique. Non, en vrai, t'as raison. En plus, tout seul, tu dois avoir peur, tu vois. Bah, directement, imagine. Tu sais jamais, bah oui. Le gamin, gros, qui avait 25 pieds bah oui. À la porte, gros. À tout moment, gros, il faisait 3 têtes de plus que moi, je dis, va me sauter dessus, tu vois. Après. Enfin, bref. Mais non, ce que je dis, on sait jamais, tu vois, tu sais pas ce qu'il peut avoir dans la tête. Ou... Ouais. Du coup, il y a des mecs, ils ont fait du repérage, ils vont venir en pleine nuit pendant qu'ils dorment, ils vont rentrer, tu sais, hop. Ouais, j'avoue, tu sais pas. Des gens, ils sont timbrés, gros. Ils ont dit quoi, du coup, les flics? Bah, ils ont dit qu'on avait bien fait d'appeler et qu'ils passeraient de temps en temps et qu'ils verraient. Ils ont pris mon nom et j'aurais donné le nom de Bobby aussi. Et ils ont dit, comme ça, si vous rappelez, on saura directement ce que c'est et on pourra passer direct. Quoi. Mais putain, là, c'est simple. Quel bail, quoi. C'est un fou. C'est drôle! Oh! Inox! Ouais. Fais-le! Ah oui, je le fais bien! Je le fais grave bien! Y'a pas d'homme dehors? Doc! T'es vraiment. Oh! Ici, ça réfléchit ici. Qui gagne? Serré? Ok les gars, j'ai la cam de Val, il est parti faire une dégustation, je sais pas quoi. Ouais, mais nous, on tu sait connais. Pas trop pourquoi il est parti avec Doc et Dobby. Ouais. Mais nous, tu connais, on peut pas rester en place tranquille. Ouais. Gros, j'ai une idée et j'ai besoin de ton aide. Dis-moi. T'es chaud? On fourre un bonhomme de neige dans la chambre de Val. C'est la meilleure idée. C'est incroyable. C'est la meilleure. On prend une pelle, on stocke de la neige, on fait un bonhomme de neige, on met en plein milieu de sa chambre. Pidi, ça te dérange pas? On va faire un bonhomme de neige dans ta chambre. Ouais. Vas-y, bon, ça la dérange pas. On peut y aller. Vas-y, on trace. Vas-y, Mich, je sais où il y a une pelle. C'était où il y a la voiture qui est garée. On va analyser, on va tâter le terrain. Soit on le met là, soit on le fait dans là. Dans la salle de bain, gros. Ici, en énorme. Là, il y a de la place. On ramène la boule. Mais ici, on peut vraiment faire un énorme. Attends, ils ont une baignoire dans leur chambre. Ils sont bien. Là, ici. Je suis jaloux. Vas-y, go. Et je pense que la boule de neige, il va falloir la faire passer par où? Par là, non? On va faire passer la boule de neige par là. Ah ouais. Par dehors, regarde. Ok, les gars, on va faire passer le bonhomme de neige par ici. Et du coup, Mich, nous, faut qu'on fasse là, une boule. Faut qu'on trouve où il y a de la neige. Elle est là-bas, ouais. Gros. Elle est pile en face. Il caille. Viens, tiens, prends la cam. Froid, te montre où elle est. Suis-moi. Vas-y. Les gars, quand même, c'est nappe. On tient vraiment je suis perdu. Pas la place. Tu t'es perdu. Mais attends, mais j'avoue, la chambre, elle est immense. La chambre, c'est un appartement, gros. Je sais pas si tu te rends compte. Ils sont partis il y a 10 minutes, ouais. Je pense qu'ils arrivent d'ici 30-40 minutes. Ok, donc on a 40 minutes pour faire un bonhomme. On a 40 minutes, ouais. Mec, en vrai, regarde. Déjà, on a un indice.
S'ils ont laissé le garage ouvert, c'est qu'ils comptent revenir rapidement. On fait une pelle chacun. Toi t'as la grosse pelle, donc tu fais la boule du bas, je fais la boule du milieu. Ok, donc viens, faut qu'on trouve de la neige. Regardez-le comment il fait. Attends, on voit rien ici. Mais tu sais que pour avoir de la neige, il va falloir vraiment monter haut. Putain, on voit plus rien. Est-ce que toi on te voit avec ton peignoir? On te voit même pas avec ton peignoir. Ah! Qu'on te voit même pas. Hein. On voit même pas ? Non. Bon, les gars, on est restés dans le chalet. Ah, il y a de la neige ici. Oh, mais gros, bah là, il y en a plein. Hein. Il y en a plein. Mec, là, c'est bon. On va faire une boule. Attends. Vas-y, je te filme, fais une boule. Mais toi, t'en as pas mal et ton peignoir, gros. Ah, c'est froid. Et ouais, mais gros, t'es en claquette peignoir. Mec, bande, moi, j'ai ma nouvelle paire, j'ai pas envie de les abîmer. Ouais, je les abîme pas. Oh, putain, mais j'avoue que c'est vraiment de la glace. Bon les gars, je vais vous laisser un petit peu. On va se retrouver quand on aura fait le bonhomme de neige. Parce que là c'est galère avec la pelle et la cam en même temps. Moi, voilà, ça fait. Tu vois, la neige, elle est... on a que de la neige comme ça. La neige, elle est claquée. Elle est claquée. Mais elle va faire le taf si on la forme bien, tu vois. Ouais. Et le problème, c'est que si on fait une boule ici, bah, on, et bah, on va pas pouvoir la ramener. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va ramener la neige dans la chambre. Et on va faire une boule dans la chambre. Voilà, c'est exactement ça. Pour ramener de la neige. J'ai hâte de voir sa tête. C'est lourd. Mec, c'est vraiment lourd. On va bien faire tomber la Wiss. Oh, c'est vraiment lourd là. Vous êtes des bâtards. Dépêche-toi. Et vous faites ça dans ma chambre, je vous tue. Réveille Doc avec un. Non, on perd. On va faire tomber. La fille surtout. Ah, la porte. Ah bon, on va ouvrir la porte. On peut ouvrir la porte, la porte. Dépêche-toi. Viens. Ah mais elle est jeune la neige. Oh, y a de la c'est ok Michou, ramène encore de la neige. Je vais commencer à former la boule. On a pris soin. Ouais. Vas-y, je ramène encore de la boule. Donc là, faut faire la boule. Est-ce que ça ressemble à une boule? Ouais, un mais encore un peu plus. La neige, elle est de plus en plus crade. T'as pas des gants? Il me faut des gants. S'il vous plaît, on va me chercher des gants. On va avoir le pire bonhomme de neige de l'histoire. De l'humanité. Michou, aide-moi à former. On ira chercher de la neige après. On va lui faire un corps comme ça, mais on dirait quoi? On dirait quoi? On dirait le truc qu'ils mettent dans les poissons. La glace pilée. C'est de la glace pilée en fait. Oui, c'est ça. C'est même pas de la neige en fait. C'est de la glace pilée. Tiens, on dirait les trucs dans les poissonneries. Ouais, je vois, c'est quoi? Tu mets les poissons dessus. Ouais, on dirait ça. C'est vraiment tout. Mec, là, ça commence à former en vrai. Bah là, regarde, là, c'est la première boule, non? Ouais. Oh, on va vous expliquer. Regarde. Test Covid, mode d'emploi. What the fuck, c'est quoi ça? Verse-toi un grand verre de vin et sens-le. Si tu arrives à le sentir, goûte-le. Si tu arrives à le sentir et à le goûter, tu n'as pas le Covid. Hier soir, j'ai fait le test plusieurs fois et c'était toujours négatif. C'est la meilleure étiquette de vin. Pour être sommelier, machin, c'est quelqu'un pas, quoi, je veux dire. Ok, bon bah cul sec du coup. Hein. Et c'est parti. Ah bah là, normalement, ça, c'est la règle. Hein. Je suis obligé de taper ça en premier. Non, on l'a reçu la semaine dernière en fait. Alors, verdict? C'est ça qu'on avait goûté. Franchement, c'est surprenant en vrai. Hein. Ça. Alors là, c'est nous qui l'avons coupé. On les reçoit en mort. Doc, goûte ça. Tu goûtes. Goûte ça, mon gars. Ah putain, vas-y, on voit. Fais péter. Tiens. En fait, c'est tellement fin, mon gars. Merci. Servez-vous. Hein. C'est fin de ouf, ça doit fondre direct, non? Ouais, c'est fondant. Vraiment, c'est la. Oui. Ça a du goût en plus, hein. Ouais, en fait, il rajoute. Ça, c'est quoi du coup? De poivre pour. Là, c'est un bon vin. On est sur. Ça commence à être. Ouais. C'est que des bons vins. Mais j'avoue, ça disparaît. On est en Bourgogne là. Ouais, ça pique moins le nez. Alors, normalement, tu vas sortir de là. C'est quoi ce que tu vas pouvoir t'embaucher, non? En partant, normalement, t'es tout bon. Ouais, imagine, passe leur soirée là-bas. Non, je pense pas. Ce sera une mare d'eau ici. Ah là? Ouais, mais ouais. De toute façon, je vais tout enlever à l'appel après. On est d'accord. C'est lui qui se débrouille à le remettre dehors. Mais il est bien là, il a un flow là. Parce que là, j'ai plus de force. Il a un flow là. Bah ouais. Mais il est pas assez grand, je trouve. Tu penses qu'il faut qu'il soit combien grand encore? Bah là, ça, la petite boule, j'aurais dû la mettre sur le gros. Je ramène encore? Vas-y, je ramène. Je vais t'aider. Bousy, je peux t'emprunter ta casquette? Ils vont me donner des neiges dans la chambre de vol. Et les lunettes que t'as pris? J'ai trouvé. Bah, il va les déglinguer. C'est un bloc tard, les pocas des Wandowski! C'est que t'es pas trop fait. J'ai plus de force. Ouh, il a fait tomber. Il me fait trop rire, j'ai plus de force. Ok. Mais attends, mais là il y a trop de neige. Ok,
Quel bijou maintenant c'est bac à sable. Oh là il va être énorme. Là maintenant c'est bac à sable. T'es sûr que j'en ai pas encore un? Non là c'est bon. Ça va? Ça va? Ils ont mis des petites serviettes et tout hein. On a fait ça bien, t'inquiète. Vas-y Mich, aide-moi à le monter là. Et vous savez que ça c'est du parquet, ça va tout niquer hein. Non, je pense pas. C'est du parquet anti-neige. Mais vous avez vraiment une pelle dans ma chambre là. Elle est en travaux ta chambre. Les gars, on est en pleine construction du bonhomme de neige. Tout se passe comme prévu. On est en train de le faire monter. Mais à la fin, on va le polir et tout. Tu vas voir, il va avoir. Elle est vraiment pas faite pour. Hein. Ah non, pas du tout. Tu vois, et là, tu contournes et on lisse après. Est-ce qu'on va pas ramener de la neige pour la tour là, ouais. En vrai, là, c'est pas mal hein. Ouais, ça ressemble à quelque chose là. Ça commence à ressembler à un truc. Hein. Du coup, Valouz il va venir et puis dis à la cam. Et nous, faut pas qu'on vienne, nous. On fait genre, y'a rien. Ouais, on arrive après. Ouais, on est là. On s'est joué toilette. Et puis dis, elle est avec la cam, elle appelle Valouz. Vas-y. Et elle fait genre, elle comprend pas. C'est quoi le bonhomme de c'est quoi ça? Et nous, on sort des toilettes. Ah et nous, on sort des toilettes. Elle va faire. Elle va faire. Bah, loulou. Y'a un bonhomme de neige dans la salle de bain. Bah, attends, je regarde de loin pour voir. Franchement, il est dingue. Et là, faut juste mettre la tête, hein. Là pour la tête, mais je vais prendre un coup de pelle. On a vraiment mis de l'eau partout. Ok, maintenant je vais polir le corps. Okay. Oh. Là t'enlèves de la neige, non? Ouais, mais pour la remettre en mieux, tu vois. Tu vois, c'est déjà plus poli là. Et ça ressemble à quelque chose là. Hein. Ah ouais? Manque plus que la tête et on est bon. Hein. De fou. La tête, Mich? J'ai la tête là. Et ça ressemble à un truc ou pas là? Mec, c'est parfait. Tu l'as bien poli. Maintenant, tu crois que ça suffit pour la tête ou encore ouais, un large? Ça suffit. Vas-y, je ramène encore un peu. Non, c'est bon. Mich, c'est bon, c'est bon. Ok, dans ces cas-là, gros, moi je sors les pelles, d'accord? Et je vais nettoyer toute l'eau qu'il y a dans le couloir. Ah oui, bah ouais. Parce que sinon, il va se douter qu'il y a un truc. Vas-y, faut tout nettoyer, ouais. Comme ça? Comme ça? Mais faut polir là. Ouais. Mais c'est bien là, c'est vraiment pas mal. Ah ouais, c'est pas mal. Faut lui faire un petit pif, une sorte de pif. Mais j'ai pris un truc pour le pif. Ma putain. Il va faire un bonhomme de neige dans sa chambre. Il va avoir trop le seum. Incroyable. Les lunettes, attends, les lunettes. Il y a un peu au nez, là. Attends. Faut que tu plantes les lunettes. Ouais. Tout doucement. Sinon posez sur le pif hein, après les lunettes. Hein. J'ai pris des échardes. Oh non, là t'as le seum parce que ça fait trop mal. Ouais. Ah là ça fait trop mal. Tes mains. Oh je saigne carrément. Mais elle est vraiment foncée là. Hein. Michou est en train de se faire enlever son écharde. Mec, j'ai pris un karma en fait. Get karma Ted. Gros, je fais un prank, direct que je prends une écharde. En plus, c'est la porte à Valouz. Hein. Ça fait trop mal en J'avais plus. J'avais mes doigts sur sa porte. Mais comment elle est bien enfoncée. Vas-y, arrache-moi le doigt s'il faut. Oh la boss. Ça a marché là. Il en reste une deuxième. Filme son sourire. Gros, on dirait quoi? On dirait un papy. Mec de fou. Là, gros, il a les chicots éclatants. On dirait un dentier. Gros, pauvre chico, le pauvre. Il y a un bonhomme dans sa baignoire, je suis mort. Ça le fait? Encore un peu de neige au-dessus. Prends de la neige là et je vais mettre un gant pour pas qu'il y ait de la neige qui tombe dedans. Ah ouais. Je mets là. Hein? Ouais. Mais essaie de plus creuser là. Tu vois? De ouf. Moi, j'ai l'impression que ça le fait de ouf. Hein. Ouais, ça le fait. Viens, on fait une pause pour la mini. Il est vraiment BG, hein. On la pause pour la mini, c'est notre gars sûr. C'est bon. Mec, on l'appelle Jon Snow. Jon Snow. Jon Snow. Pas mal. Jon Snow. Et là, c'est bon, là? Mais c'est incroyable. Je vais appeler Dobby pour savoir dans combien de temps il est. Vas-y, demande. Jon Snow on the beat. Jon Snow on the beat. Les gars, s'il y a 350 000 likes sur cet épisode, je me dois de faire un rap freestyle sur Jon Snow on the beat. Mais gros, mais il va avoir fondu, non? J'espère pas. Je pense qu'il sera mort. Hein. Mais je vais garder les images pour le peuclis. Ah, vas-y. Mais je ferai un truc sur Jon. Ouais, gros. Ouais, gros, dis-moi. Vous êtes où, là? Bah nous, on est parti manger, là. Ah, vous êtes parti manger, carrément? Vous arrivez dans combien de temps? Bah nous, on vient dans longtemps. On vient dans une heure et demie, je pense. Hein? Ouais. Quoi? Bah fallait qu'on écrive les vidéos. Moi je vais les écrire en rentrant. Ah vas-y, ok. Vas-y. Ouais. Vas-y, à tout. T'inquiète, bref. Une heure et demie. Ils sont partis manger sans nous. Oh les bâtards. Bah au pire on laisse comme ça, on revient toutes les 15 minutes. Ouais. Pour ouais. voir. Dans tous les cas, on a fait la base. Ouais. Il va pas tout fondre, c'est impossible. Oui. C'est impossible. Il y a la neige qui est autour et tout, c'est impossible. Donc vas-y. Faut éteindre la lumière et tout. Hein. Les gars, ça fait une heure et demie, on attend Val et Doc et tout le monde qui rentre. Une heure et demie, j'en peux plus.
Donc on est en détente au chalet, on se détend. On se repose, je vous avoue, je suis un peu fatigué moi là aujourd'hui. Mais tout se passe comme prévu. Et voilà, j'ai hâte de voir la réaction de Valou, ça va être débat. Ça va être très très drôle. Il y a une pause. Il y a une pause de 3 heures. Ouais, t'inquiète, j'ai pris la cam. Ah ouais, t'as pris la cam tout à l'heure. J'ai dit qu'ils sont toujours pas là. Gros, là, ils sont ça fait 3 heures. Gros, dès qu'on voit la voiture arriver, on descend. Mec, là, ils arrivent normalement dans même pas 5 minutes. On campe ici. Il y a exactement 24 minutes, ils nous ont dit on arrive dans 25 minutes. Ouais. On peut aller par là-bas. Pitié. Tiens, prends le téléphone au pire, il y a quoi? Bah comme ça, toi tu filmes. T'as un plan de vue comme ça. Chaton! Chatouni, viens voir! Viens voir! Mais je suis là, en bas là. Viens, 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 viens. Viens voir, chaton! Qu'est-ce qu'il fait frais là? Ta gueule! Regarde! Mais 20 minutes après que vous soyez parti, on pensait que vous partez 40 minutes, nous. Ouais. Bah non, ça fait 3 heures, il est là. On est parti toute la soirée, nous. T'as les pocas, gros, frérot, on a dû leur alimenter de neige. Ça se voit, il est là depuis 3 heures, il est miskin, le pauvre. C'est pas ses chicots, ils sont tombés. Il a plus de chicots là où il se... Attends, mais vous avez fait un bonhomme de neige, là. Dans ta salle de bain. Attends, mais ça... Ça enregistre aussi là. Ouais. Les vrais youtubeurs, les vrais pro-kiffs. Bah franchement, il est beau gosse, hein. Ah oui, il est. Bah gros, il m'a regardé mal. Arrête, chaton. Je vais pas engueuler. Non, ok, je t'accorde. Attends, je mets. Mais lui, un putain de chaton. Mais attends, il me regarde trop bizarre là. Chaton, stop. Il a éclaté la tête. John. Mais putain, vous... En vrai, vous êtes balade. En vrai, c'est marrant. Mais c'est attends, mais j'avoue. Mais... Par contre, vous nettoyez. Hein. Mais tu mets tout ça dans la baignoire. Mais... Bah oui. Bah ouais, j'avoue, c'est ouais. Tout dans la baignoire. Ça a fond, c'est de l'eau. T'arrives pas, regarde comment c'est humide. T'as un poca, gros. Attends, il est où l'appel? Vous êtes fou. Mais tu sais que moi, depuis tout à l'heure, j'attends là pour qu'ils fassent leur prendre de bras. Hein. Michou, il dort là-bas. Bah bien joué votre prank, c'est un 10 sur 10. 10 sur 10. Ouais, j'ai bien aimé. Bon. C'est gros, mec, je lance le rec, on se met à la fenêtre, on dit ouais les gars, ils nous ont dit il y a 24 minutes qu'ils arrivent dans 25 minutes. Ouais, on a eu trop peur. Et hein. Là gros, j'entends Doc, ouais les gars et tout. Mec, on a fait tout le tour pour pas que vous nous voyiez, hein. On a eu trop chaud. J'ai cru qu'il allait fondre. Parce qu'on était dans le salon quand on s'est arrivé. Bah les gars, j'espère que vous avez kiffé. Si c'est le cas, comme d'habitude, on n'oublie pas les petits pouces en l'air, les abonnements, les commentaires. On s'est bien rattrapé d'hier, les gars. Là, on a bien vlog aujourd'hui, en fait. Vous êtes les boss, merci pour tout. Même que ce soit pour moi, pour le clip de Pidi, pour tout le monde, en fait, toute la team. Merci pour tout. Grâce à vous, on vit un rêve. Brrr.